Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vous présente l'image du jour. Qu'est-ce que vous voyez là? Le président Samuel Eto'o et monsieur Yannick, non, je l'appelle papa parce qu'il doit déjà avoir l'âge de... Son fils doit me dépasser en âge. Donc, c'est papa Yannick Noah. Quand je suis tombé sur cette image hier, les amis, je me suis dit que c'était Photoshop. Je me suis dit que c'était un montage. J'ai parcouru encore Facebook. Je suis tombé sur d'autres images comme vous pouvez voir là. J'ai dit tiens, donc c'est vraiment une réalité. Vous savez le pourquoi je vous présente cette image ou bien je parle de cette image ce matin les amis. Et je vous dis que c'est l'image du jour. Hein. Quand je suis tombé sur cette image, j'ai dit hey, donc c'est une réalité ça. Cette image que je vous présente, ce n'est pas pour les enfants bobo. Hein. Non, ce n'est pas pour les enfants, bobo, parce qu'ils ne peuvent rien comprendre de cette image. C'est pour les Waman, les gars qui ont souffert, qui continuent à souffrir, ou bien les gars qui se cherchent. Vous comprenez un peu? Donc, l'image ici me refait vivre mes étapes. C'est vrai, je suis toujours en chemin, mais ce n'est plus comme hier. C'est-à-dire que ça me fait revivre quand j'étais dans la misère, quand j'étais en train de me battre pour sortir de l'ombre. C'est cette image. Ça me fait revivre toutes ces étapes-là. Donc, toi qui es dans la souffrance, les amis, cette image de Samuel Eto'o doit te parler. Samuel Eto'o a été persécuté. Tout le monde connaît. Tout le monde sait. Samuel Eto'o a été combattu. Samuel Eto'o a été traité de tout et de rien. À cause des deux marques que vous connaissez. Parce que je ne suis pas là pour faire la publicité de ces marques-là. Donc, vous avez constaté que depuis que les Lions sont qualifiés pour la CAN en Côte d'Ivoire, depuis notre victoire, où c'est Amaru, à Gaoundéré, c'est à Maro, c'est à Garunde. Bref, depuis notre victoire, est-ce que vous avez encore vu un post des gars qui insultaient Samuel Eto'o en longueur de journée? Vous avez encore vu, même dans les chaînes télé, radio, on insultait le coach Rigobert Sombana chaque jour. Vous avez encore vu, vous avez encore entendu? Les amis, quand tu es en train de te battre, quand tu as un objectif, quelles qu'en soient les persécutions, quelles qu'en soient ceux qui vont te décourager, quelles qu'en soient les injures, reste figé. Samuel Eto'o avec son objectif. Il atteint son objectif. Et quand tu es en train de te battre, quand tu es en train de faire ton chemin comme Samuel Eto'o, tu vas rencontrer toujours d'obstacles sur ton chemin. Reste concentré. Reste figé. Reste objectif. Va jusqu'au bout. Parce que si tu te décourages, tous ceux qui ont essayé de t'affaiblir vont tous se moquer de toi. Et même ceux qui étaient avec toi vont également se moquer de toi. Tu seras seul à avoir honte. Mais si tu restes déterminé, tu vas jusqu'au bout. Même tes ennemis, ceux qui t'insultaient en longueur de journée, vont chanter tes louanges. Quand tu atteins tes objectifs, c'est l'image du jour, les amis. Moi, je n'avais jamais pensé voir encore Samuel Eto'o. Avec qui? Avec papa Yannick Noah. Après tout ce que nous, on a vu sur la toile. Et je dis aussi merci beaucoup à papa Yannick Noah parce que il nous montre l'esprit du fair play. Oui. Et c'est ça. Hein? C'est-à-dire que quand tu as grandi chez le blanc, c'est toujours... Nos frères africains, là, quand le gars te dit qu'il a mis la croix rouge sur toi, quel qu'en soit ce que tu deviens, par contre, quand tu brises même, il devient encore même plus jaloux. Mais ce que papa Yannick Noah nous montre là, et que non, mon petit, tu as bravé les obstacles que nous on ne s'attendait pas. Pour ça, je te dis un coup de chapeau. Je t'embrasse. Oui. C'est ça, l'esprit du fair play.
on dit que quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. C'est ça qui nous montre là. Donc, ça m'est tout à montrer que je reste le petit et le king. Oui, les gars qui bavardent, ce n'est que le début. Même si on ne fait rien en Côte d'Ivoire maintenant, l'objectif est atteint. Il fallait qu'on se qualifie. Et si les gars, les lions n'allaient pas à la CAN, Seigneur Jésus, c'est que je ne sais pas c'est que où Rigobert son banavi aujourd'hui. C'est que je ne sais c'est qu'on a même chassé le type là au pays. Oui, vous vous souvenez? Il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo dans laquelle Francis Ngannou était entre nous, parler de ses objectifs. Oui, quand je vous parle des objectifs, qu'il faut se faire confiance. Je prends l'exemple sur les gars comme les Francis Ngannou. Les gens sont venus sur la toile bavarder. Mon frère, ne confonds pas le MMA avec la boxe. Hein, tu es champion MMA. Ne crois pas que Tyson Fury va te laisser. Ça là-bas, c'est la boxe. Le gars fait une vidéo. Je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo. Il dit, mes débuts étaient la boxe. Ma passion était la boxe. Quand j'ai vu le MMA, j'ai dit que je vais essayer. Les gens ont dit au départ, non, ne confonds pas la boxe, mon frère, reste dans la boxe. Le MMA, c'est un autre monde. Le gars dit, je vais essayer. Il est allé au MMA. Il est sorti champion du monde. Aujourd'hui, qui veut revenir dans sa passion de base? Les gars disent, non, ne confonds pas, le MMA n'est pas la boxe. Hein. Pardon, si tu es champion MMA, tu peux pas être champion. Il dit que c'est au ring qu'on va voir le vrai champion. Apprenez à vous faire confiance. N'écoutez pas les ondes, les bouches des gens. Si Samuel Eto'o cédait à tout ce qui se passait sur la toile, je vous jure que même Rigobert son n'est plus le coach des Lions. Tout le monde a créé la victoire quand les Lions ont gagné. Non, on a oublié tous les injures. C'est un mauvais coach, c'est un mauvais président. La FECAFOOT, on a pu. Non. Chacun a calmé ses émotions. Maintenant, on chantait plutôt la victoire ou on insultait plutôt la Côte d'Ivoire. Oui, on n'avait plus le temps, on ne voyait plus les défauts du président Samuel Eto'o ou bien de Rigobert Sombana. Le 237, non, c'est un continent, les amis. C'est-à-dire que qu'on gagne, non, on oublie tous les problèmes. Qu'on perd, c'est où on part fouiller. Alors, même si tu avais seulement dit. Non. Non, les amis, je vais vous présenter l'image de ce jour pour tous les Waman qui me suivent. L'image de Samuel Eto'o avec Papa Yannick Noah doit nous booster, doit nous donner l'envie de rêver, d'être déterminé. Oui, seule la détermination peut t'amener jusqu'au bout du tunnel. Tant que tu n'es pas déterminé, même si tu as quel projet, tu ne vas jamais réaliser ce projet-là. Il faut la détermination. Fais confiance en soi-même. J'espère que le message est passé, les amis. C'était le général Franco. Merci de partager cette vidéo, les amis. Les amis, restez forts. C'est dur. Le pays est dur, c'est vrai. Mais bon, c'est dur. Oui. Ne laissez pas vos pieds au chic, comme on disait souvent quand on était au village. Bagarrez avec ces chics-là pour sortir vainqueur, pour être le meilleur de vous-même. Une fois que vous êtes meilleur, tout le monde va vous acclamer. Travaillez dur, les gars. Seul le travail. Seul le travail et l'honnêteté amènent au bout du tunnel. Ciao. Alors, je voudrais attirer l'attention de ces hommes qui sont à la, de ces femmes qui sont à la recherche d'enfants depuis plusieurs années. Si vous avez été diagnostiqué stérile à l'hôpital, voici la solution pour vous. C'est cette gamme de produits 100% bio qui vous apporte le bonheur dans la famille. Dans cette gamme, vous allez retrouver ces purges essentiellement conçus pour dégager au niveau de la gynécologie de la femme tout type de déchets qu'on retrouve à ce niveau-là. Parce que le plus souvent, on consomme des produits pour le ventre alors que le problème est localisé au niveau de la gynécologie de la femme. Vous allez retrouver cette ovule qui permet d'activer de manière rapide et efficacement la glaire cervicale, qui permet de remonter les hormones chez la femme. Alors c'est toute une gamme de produits conçus uniquement pour les femmes qui souffrent à la recherche d'enfants. Et à côté de cette gamme, vous avez ce qui est prévu pour l'homme, le spermatose, qui vient
travailler la qualité, la quantité du spermatozoïde chez l'homme pour permettre à l'homme d'avoir un sperme de qualité, mais aussi de quantité. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.